Quand il sera grand, elle me demandera pourquoi y a plus de poissons dans la mer. Je vais dire quoi, que j'avais pas ou que j'en avais rien à faire. Et quand il me demandera papa, est-ce juste pour le boire que vous avez rasé le poumon de la planète? Je vais respirer avec quoi? J'aurai l'air d'un irresponsable, incapable, un coupable au comportement inexcusable. Une nature bousillée, un monde de CO2. Est-ce vraiment le futur qu'on voulait construire pour eux? Ça commence par le respect, et l'une des choses à faire, c'est un commerce équitable pour eux. Nous et notre terre, les grands discours, c'est bien, mais les petits gestes, c'est mieux. La différence, on doit la faire aujourd'hui, car on le peut. Oui, on le peut. Vas-y, consomme, consomme, consume, consume, consomme, consomme, allume, allume. Mais que fais-tu si notre futur se retrouve en deux marteaux? Elohim, si ça brûle et que ça se consume, et que notre terre ressemble à la lune.